je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, c'est plutôt la suite de l'album Jingle que j'ai terminé. Mais avant ça, je voulais vous montrer une petite carte que j'ai reçue de Nani, de l'atelier de Nani. Et en plus, regardez, c'est pile dans le thème de mon album. Une petite carte de remerciement pour... je regarde si je suis dans le champ. Pour avoir participé à son concours avec... Ben ça, c'est des découpes, les dailles que j'ai jamais... les dailles que j'ai jamais trouvées chez Action. J'ai jamais vu aucun. Mais aucun. Hein. Voilà. Donc, elle a fait en petite carte avec le petit zèbre. Ici, en 3D, le petit love. Et son petit mot qu'elle m'a mis à l'intérieur. Voilà, pour son concours des 100 abonnés qu'elle a largement dépassé. Toutes mes félicitations, Nani. Et regardez, c'est pile dans le thème de l'album Jingle. Je sais pas si je mets la lumière ou quoi. Est-ce qu'on voit mieux, on voit pas mieux. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Là, j'ai terminé ma couverture. J'en étais avec vous que j'avais collé les papiers de couleur dessus sur des fonds noirs. Ensuite, j'ai juste collé mes pages en U. Je suis venue les coller sur ma tranche et puis c'est tout. Voilà donc l'album. Comment je regarde hein, si je l'ai en entier, comment il se présente. À l'arrière, j'ai fait ceci. Juste les papiers d'ailleurs collés. Hein. Là, j'ai mis un autre papier, là, un autre papier. J'avais plus de papier, donc j'ai cherché dans mes blocs ce que j'avais. Celui-là, il fait toile de jute de là, enfin voilà. Pour fermer, j'ai mis du raffia, j'ai mis deux raffia, un beige, un marron. Là, j'ai mis un petit truc qu'on trouvait là chez Action. On ne servait pas, je ne sais pas trop comment l'utiliser, donc j'ai dit, bah tiens, ça ira bien là. Là, j'ai mis des petites plumes de couleur, une turquoise, une rose, une orange. Ici, j'ai mis des perles en verre. Enfin, vous savez, je viens d'acheter les transparentes, mais j'en avais aussi des ambres. Donc, couleur ambre. Ça, j'ai mis des petites perles marron. Alors, je sais plus qui m'a envoyé. Je crois que c'est Nathalie Normandie, me semble. Tu me diras si c'est toi. Je crois, je crois que c'était des boules de chocolat. Ça va très bien, petite. Et puis là, le reste, plume, un peu de coco sisal. Et puis voilà. Et les die-cut, comment? Les die-cut un peu épais. Hein. Les pages. Alors, sur le côté, j'ai fait ça. Ça, j'avais acheté ça, comme Liane. Enfin, comme Liane. Bon, ça vous, c'est au rayon des fleurs. C'est une matière un peu mi-caoutchouc, caoutchouc velours. Donc, je l'ai fait tenir. J'ai mis un petit brad que j'ai collé. Et sur le côté, ici, c'est... là, j'ai mis un petit die-cut. Et là, le côté, c'est effet bambou. Voilà, avec sa petite liane qui peint, comme ceci. Les pages, bah, vous les avez vues. Hein. Donc, je suis venue les coller sur la tranche. Et comme c'est noir, on voit que dalle. Bon. Donc, voilà. J'essaie de voir. Ici, j'ai rajouté... petit tag comme ça avec un petit paresseux autocollant, voilà, petite poche là, tous les petits tags que je trouvais jolis, je suis venue les mettre ensemble et puis je les attache avec du raffia vert. Voilà, donc on les met ici. Et là, ce que je vous disais avec les petites perles transparentes, vous les mettez sur l'image, vous les collez sur l'image et ça fait un effet loupe. Donc vous voyez la petite perle, ça c'est une transparente, je l'ai mis dessus. Et en dessous, on voit le petit mot bah, grossi, puisque ça fait un effet de loupe. Donc, c'est très simple à faire. Et par exemple, quand on met une rose ou quoi, c'est super joli. Là, c'est les fameuses petites, petites franges. Là, j'ai fait un petit tag avec des flammes en rose. Là, je fais ça pour pas défroiser, pour pas avoir un repeigner. Là, j'ai fait ça. Bon, ça, je vous avais montré. Voilà. Voilà, là j'ai collé un petit papillon que je trouve que ça se mariait bien avec, comme il est dans les beiges. Ici, vous avez le petit truc des pliants, je vous avais montré. Là, une petite poche, un petit tag en bois avec un petit timbre pêche. J'essaie de faire des enveloppes en papier machin, là. Bon.
voilà. Non, on met pas, ça n'a pas d'importance. J'ai remis un petit papillon, des petits die cuts. À nouveau une fourchette frange. Là j'ai mis un petit tag façon bois de bambou là. Bois tropical. Ça c'est marrant, on dirait que c'est une pochette, mais en fait non, c'est le papier. Là j'ai mis Tiki Bar. Là une autre et là encore une petite pochette. Là pareil, une petite loupe que j'ai mis aussi. Là c'est la peinture. Là j'ai mis Good Luck. Quand on tombe face à ça, il vaut mieux avoir de la chance. Et un petit tag bambou avec un appareil photo. Voilà. Un petit trait d'humour, hein, voyez-vous, qui n'est pas pour déranger. T'as qu'à pas rentrer. Et là, pareil, encore un petit dépliant. Hein, je vais vous en défaire un. Voilà, j'ai mis un petit singe. Voilà, comme si là j'ai rajouté un petit appareil photo. Voilà. Faudrait que je fasse, je vous montre mes petits rangements là. Ma page de petit rien. Encore une page avec les franges. Ça, c'est collant. Là j'ai fait un autre tag. Voilà. Voici. Là, en fin de compte, j'ai mis un aimant. Mais comme j'avais un peu arraché la page, j'ai caché avec des petits ronds et des petits tigres, là, comme ça. Et là, maintenant, ça ferme aimanté. Là, j'ai rajouté le petit tag. Ça, je vous avais montré en vidéo. Et là, la dernière page avec, pareil, deux dépliants. Je vous avais également montré. Et à la fin, j'ai fait le rappel du toucan qui est sur la première page. Je l'ai mis à la fin. Voilà les amis, c'en est tout pour ma petite présentation d'album. Alors vous voyez, il n'était pas compliqué, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de choses compliquées à l'intérieur, c'est assez simple. Les pages sont en lieu, elles sont accolées. J'ai fait ça au pistolet à colle chaude, quoi. Enfin bon, voilà. Et voilà, ça je trouve ça pas. Bon, ça change, hein. Vous voulez mettre un bijou, j'ai mis ça, et puis voilà. Et c'en est tout pour mon petit album Jingle. Cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner, surtout bienvenue aux nouveaux abonnés, j'étais très contente d'en avoir eu aujourd'hui. Et voilà, et donc prochaine vidéo mercredi, et je pense qu'on va faire la boîte pour Memory Dex, enfin, les Memory Dex. Voilà, et je pense à vous filmer toutes mes petites boîtes là, avec mes petits embellissements, comme ça vous verrez à peu près. Voilà les amis, c'en est tout. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, pouce et de vous abonner. Bisous, bisous, bye bye.